Mercredi 25 décembre, Harry Behn, l'ex de Martha Louise de Norvège, s'est suicidé à 47 ans. L'écrivain se battait contre l'alcoolisme. Un mal qui le rongeait. Harry Behn, l'ex de Martha Louise de Norvège, a mis fin à ses jours mercredi 25 décembre. Le célèbre écrivain norvégien avait 47 ans. Harry Michael Bjørnsholt de son vrai nom, n'avait jamais caché être dépressif. En 2009, au cours d'un entretien très touchant accordé au magazine norvégien Massif, comme le rappelle Bunte ce jeudi 26 décembre, le papa de Maud, 16 ans, Léa, 14 ans, et Emma, 11 ans, évoquait déjà sa future mort. Je mourrai tout seul, présageait-il. Mais sans être solitaire ni amer. Je suis tout simplement incapable de me connecter à qui que ce soit, regrettait-il, avec un sentiment d'impuissance. La dépression n'est pas le seul mal qui rongeait Harry Behn. Au cours de cette même interview, le père de famille avait évoqué sa bataille contre ses problèmes d'alcool. Une addiction qu'il abordait sans langue de bois en affirmant craindre de ne plus pouvoir voir ses filles auxquelles il tenait tant. Je crains de ne pas pouvoir terminer le projet que j'ai commencé avec ma femme, à savoir éduquer trois merveilleuses filles, confiait-il. En 1999, soit 10 ans avant cette interview, Harry Behn avait sorti un premier recueil, un ouvrage au titre évocateur, Triste comme l'enfer, comme le rappelle voici. En 2018, Harry Behn parlait de son combat contre les troubles psychiques dans son livre Inferno. Harry Behn a été en couple avec Martha Louise de Norvège, la mère de ses enfants, de 2002 à 2017. Malgré leur séparation, les deux parents étaient restés en bons termes par amour pour leurs trois filles.